Du coup, on fait quoi? On peut déjà aller voir ce que ça donne un peu. Je lance une custom. Viens. Oui, j'arrive, attends. Envoie ton gadget là. Mais non, mais je suis un golemon, j'ai pris termite. Mec, il a pas compris le concept, tu sais. Your best teammate. Remember it. Waouh, c'est quoi ce truc rouge à droite? Mais c'est extrêmement moche. Oh, le viseur. Oh, c'est lent. La K-74. Oh là là, c'est horrible. Oh, je suis trop content. Mais moi aussi. Oh, j'adore, je suis trop content. Eh hey, hey, tous les allô. Mais non, mais on a quelque chose de plus sensé en fait. Voilà, c'est fini ça. En revanche, le point, il est dégueulasse. Ils ont remis l'holographique pour que ce soit pas très précis. Quoi? J'ai l'impression que le cadrage est beaucoup plus petit dans l'holo. Non, j'ai pas un sentiment où c'est... Oh merde, excuse-moi, mais c'est l'habitude. Je vois une tête, mais un one tap. Ouais, bah c'est bon. Mais t'as pas l'impression que le cadrage est plus petit dans l'holo ou c'est juste un effet placebo? Le cadrage... Si. Console buff avec le cross-platform. Console buff. Donc les gens maintenant qui jouaient clavier-souris, qui seront détectés comme clavier-souris sur console, du coup joueront avec des joueurs clavier-souris sur PC. C'est incroyable ça. Pour vous, les gens, sur console, ça s'appelle du challenge. Et pour nous, on appelle ça de la... viande fraîche, voilà, de la viande fraîche. C'est exactement ça. Qu'il faut pour viser avec le... Oh, c'est horrible. Et ça, il y en a cog. C'est de la T-Hunt. Ils ont enlevé la T-Hunt, mais ils ont remis le crossplay, ce qui revient au même, en fait. Par contre, j'aime... Attends, mais il y a un truc qui a changé dans la vue. C'est ici que t'as testé le rappel. Ah oui, il faut qu'on teste le rappel. Ah oui, bien vu. En vrai, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut lancer son jeu, se mettre en 16 dixième pour avoir à peu près le même rapport d'image et faire un screen en visant de son holographique? Y'a pas de recoil sur l'arme de Deimos? J'aimerais... Envoyez-moi le screen. J'aimerais voir... C'est quoi cette... le comparatif. Y'a pas de recoil? Son pistolet n'a pas de recoil du tout. Ouais, bon, ça va être nerf et... Mais et oui, elle a un clic droit absolument incroyable quand même. Oh, elle est ouf. Tiens, ben regarde, ne me tire pas dans la tête, tire-moi dans le torse. Et j'ai un gilet en plus, donc tant mieux. C'est pas une DMR quand même, ça pète pas les... Ça pète les trappes! Ah bah c'est un. C'est une DMR. Attention derrière toi! Bah là! Vas-y, mets-moi deux balles. Ah, ils ont mis un truc encore un peu en surbrillant, c'était un peu blanc. Un peu. Légèrement, ils l'ont retravaillé ça, mais c'est un peu de la merde quand même. Ils ont toujours pas fait le truc à la Valorant. Deux balles torse. 67 HP. Non mais là, je tire avec mon arme. Ah ouais. Normalement, c'est deux balles pour tuer un mec. Attends, ça c'était la cadence du tir. Oui, oui, écoute. Ne compense pas, ok? Ne le contrôle pas. Je fais que tirer. Ok, et moi là, du coup, en partant du même endroit. Ah ouais. Y'a pas de recoil. Ah ouais. Attends, je vais tirer sur à côté de ta ligne. Ah ouais, la différence est... Et je tire beaucoup plus vite en plus. Ah oui, bah oui. Et donc du coup, ça, attends. Nos targets avaient les balles? Comment ça, nos targets avaient les balles? Non, faut que tu me drones les scans. Je fais style de regarder en l'air. Oh là là, il y a perte d'ennemis. Ouais, scanner ou scanner ton gadget aussi, ça marche. Hein. Ouais. Ça, c'est bien qu'il l'ait fait ça. Ah d'accord, okay. Du coup, ça a fait apparaître un truc. Du coup, B me permet de switcher entre tous les trucs. C'est pas évident. Et après, je lance mon truc. Oh, j'ai été repéré. Ah, ça fait le même bruit que... Oh, par contre, moi qui est très fort et qui est très stressant, c'est le petit hélicoptère qui tourne autour de toi. Attends, stop. Ça te fait quoi l'hélicoptère? Attends. Mais c'est horrible. T'as un vieux truc qui te tourne autour de la tête? Ouais. Et par contre, t'étais pingé aussi. Oui, ça... c'est 1v1 quoi. D'accord. Oui, mais néanmoins, je peux très bien faire en sorte de moi donner les informations à mes potes en préparant le truc, tu vois. Donc là, je vais dire tiens, hop là. Alors là, moi, je te repère pas par exemple. Bah moi non plus, pourquoi? Ah parce que là, le il faut le temps que l'hélicoptère arrive jusqu'à toi. Et là regarde mon stream si jamais t'es dessus. Non, je regarde jamais ton stream parce que il est pas terrible. Ouais non super. Et regarde l'hélicoptère ce que ça fait. Oui, attends. C'est hyper stressant. Oui mais tu vas le faire après. Ah bah il a disparu. Attends mais je te remets un autre. Oui, ouais, non, pas... Et pourquoi il siffle après? C'est un mec à la flûte qui rappelle le truc. Quoi? Il est con. Je crois que c'est ton perso. Il y a eu un sifflement mais ça doit être toi. Attends, ça c'est vraiment le pistolet? Là c'est toujours le pistolet là. Non. Mais non. J'allais dire, putain, il est bien armé quand même.
Salut Six, c'est dès que tu le détectes avec l'hélico. Une fois que tu vois le gars en direct, des mots siffles pour troll l'ennemi sur le fait de le voir en direct. C'est très bien pour de l'anti-roaming. C'est-à-dire, par exemple, les mecs sont sur banque. À un moment, t'es en mode Y'a Kavera, elle est partie au top. Tu vois, je dis n'importe quoi. Sur banque, tu sais que Kavera, elle est en mode roaming. Plutôt que de te faire chier à devoir sniffer des pas, parce que bah, le problème de sniffer des pas, c'est qu'il faut d'abord trouver des pas, et puis en plus Kavera. Du coup, t'es dans une logique de bon. Ta mère, moi je reste à l'autre bout de la map. Ça va être un truc qui va être très puissant, mais pas en ranked. Parce que l'information elle est pas partagée avec le reste de l'équipe. Donc le meilleur des démos, c'est celui qui va être en capacité de connaître la map et de dire il est CEO, il push banane, il jump. Parce qu'il voit l'information. Mais là, cette information là que t'es en train de voir là de moi, d'accord ? Toi, si tu vas rester, par exemple, très très loin, il faut que tu sois en capacité de donner l'information à tes potes. Parce que si tu viens me chercher en 1v1, je te... Ouais, tu vois. Ouais, parce que on aurait pu croire que ça allait être un joueur, un perso 100% solo, et genre le mec va l'utiliser que pour sa gueule. Ah, je l'ai pingé, je l'ai pingé. Ouais, exactement, j'y vais, je le ping, je le push. Pas du tout, bah c'est l'inverse même. Re-ping, ouais, c'est ça. En fait, c'est non, bah fais gaffe. Vrai, je vais pas mentir, j'aime bien le truc pour viser. Hein. Bah oui, parce que t'es débile. Ouais, c'est ça. Bah oui. Je fais partie des joueurs qui vont dire je le laisse. Tu vois. Oui, bah ça m'étonne pas. Ouais, non, mais je l'assume, moi j'ai pas de soucis. Bah nous aussi on l'assume. J'ai l'impression que j'ai mais ça fait même le rebond. Ça mais calcule on est d'accord. Même le rebond. On est d'accord. Est-ce que quelqu'un peut aller lancer son jeu et me faire un screen avec une holo graphiquement, ils ont changé un truc aussi sur le vert. Non, mais c'est pas si mal, j'avoue. C'est un peu moche, ça donnait pas très bien pendant la présentation. Au final, je vais peut-être le garder moi aussi, tu vois. En vrai, je trouve ça pas si mal, quoi. Mais c'est vrai que... Ils auraient dû le faire plus discret. On devrait pouvoir jouer sur l'opacité. Exactement. Je pense qu'il devrait y avoir, plutôt que des options activées, désactivées, je pense qu'on pourrait aller quand même comme sur du Counter-Strike. Oui. Opacité, couleur, style. Comme ton crosshair de Counter-Strike ou de Valorant. Et pas qu'un vieux truc blanc sans style, voilà. Hein ? Je suis en haut encore. Ah bah... Mais vraiment, c'est une bonne idée d'avoir pris cette grenade. Ah, ça permet quand même de mettre des grenades qui vont être pixels quand même. Hein, parce que là, la grenade que je viens de faire. Ça a un avantage. Bon, bah, c'est que autant, ça, on va dire que ça casualise, mais ça casualise pour donner aussi un truc. Ouais. Ça va apporter un nouveau style de skill en fait. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. Là, je me sens plus fort déjà tout de suite. Oui, effectivement. Ah oui, on va tester le rappel. Ah, donc lui par exemple, il a pas de zoom. Il a que le Iron Sight, la mire sans rien. Il a pas un 1.5, pas un ACOG, rien. Ouais, bon là, c'est vrai que c'est plus rapide, quoi. Mais bon, c'est pas non plus, ça saute pas vraiment aux yeux, quoi. Et il y a beaucoup de gens maintenant, du coup, qui vont passer sur la mire. Bah, moi, je pense que certaines armes, j'ai fait le test hier. Non, justement. Le but du jeu, c'est de jouer sur justement des décals en mode fire. Si t'as encore envie de faire des pics où tu joues sur la vitesse d'ADS, je pense que tu vas être à la mire. Si tu fais des décals qui sont comme ça, par exemple, et tu fais ça, bon, voilà. Après, si t'es en mode chez Copy et que tu fais des petites lignes où tu te décales comme toi, tu le fais, t'as tout intérêt justement à jouer sur un ACOG et à faire des décales de 1 pixel en marchant. Clic droit, je décale comme ça. Ou alors, donc là, je peux prendre un ACOG pour. Voilà. Ou alors, est-ce que je vais décaler comme ça et faire des décales comme ça, quoi. Ah oui, le rappel, du coup, ça change quoi le rappel ? C'est le visuel. Ah oui, c'est chelou. Ça serait plus fluide. A priori, ça serait plus fluide de ce qu'il disait. Oui, mais c'est le visuel. Sors, viens me voir. T'es où ? Oui, c'est le visuel. J'ai vraiment l'impression que je fais du rappel. Toutes les maps là que tu pouvais choisir, t'avais fait que tu choisisses la plus chiante pour se retrouver. Oui, mais c'est bien que les gens voient l'air un peu. Non, c'est nul. Oui, mais moi j'aime bien. Oui, mais je te demande pas ce qui est bien, je te demande ce qui est efficace. Elle marche. Oui, mais elle est très efficace. C'est un vrai. Pardon. Même moi je l'aurais pas tenté. Ouais, ok, ça marche. Bah, c'est pour te dire que tu vas avoir des problèmes. J'ai perdu ma chaîne. Ok. Du coup. Alors, t'es prêt ? Vas-y, bah, je te regarde. Merci. Drone-moi avant, tiens. Eh, t'as une mouche là. Mais pourquoi t'as fait ça ? Parce que je t'aime pas. Ok. Non, ça augmente l'ADS, il me semble, laser. Oui, bah là, c'est le cas en vrai. Là, ça va, c'est moins... Il me semble que c'est 10% ou plus 15% de vitesse d'ADS. Regardez, ma mire, elle est pas au maximum. Mais dans la transition de la mire, mon laser est déjà fixé. D'accord, bon, faut mettre le laser. T'es obligé, du coup, maintenant. Et mais bon, ouais. En revanche, tu pourras plus être en mode comme ça. Voilà, quoi.
Je vois pas la différence. Ah oui, hein, pour toi, c'est juste en bas quand tu t'accroches, c'est un peu plus fluide quoi. Et vas-y, ouais, mets-toi la tête à l'envers. Sinon, ça va passer. Non, ils ont enlevé le son. T'as pas le son. T'as l'air trop con. Le son de quoi? T'as l'air trop con. Pourquoi, c'est quoi le truc? Ah, ah, t'as l'air trop con. Ok, mais l'animation est belle. L'animation est belle. Oui, avant, il y avait une différence de bruit quand tu faisais un rappel de type de monter à descendre, en fait. Le claque de quand tu partais la tête à l'envers, c'était pas le même. Donc du coup, par exemple, quand tu étais sur des maps comme ce café, tu savais que le mec, il y avait de grandes chances qu'il arrive la tête à l'envers quand tu commençais à l'entendre déjà partir tête à l'envers, parce que c'était le bruit d'une personne qui vient tête à l'envers. Mais là, ce que tu viens... 6-4, je reviens. D'accord, ok. On va te faire... Voilà, ça va être bien, là. Ouais, là, ouais. Ouais, oh, ouais, là, c'est bien, ça. Ça va être bien, ça. En vrai, ça va être bien. Les changements intelligents me donnent envie de rejouer, moi. Pas vous? Non, pas vous. Vous êtes... Mais nous. Je comprends pas, il y a toujours la 1.5, là. Oui, elle y est, mais maintenant, elle a autant de zoom qu'un ACOG. Putain, il va falloir... avec le laser, en plus. Oh, les souvenirs, les souvenirs. Vraiment, je vais enlever cette merde tout de suite. Hein. Y'a pas de grippe, là. Oh, les souvenirs. Oh là 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 là. À chaque coq, quoi. Là, c'est parti. À chaque coq sur la R4C, là. On pouvait pas avant la mettre, là. Oh là là, ça me donne envie de rejouer au jeu, quoi. J'ai presque envie de retryhard. À part RAM, avait, y avait au moins la 1.5 sur la R4C de RAM qui utilisait aussi les R4C, pour le coup, mais... Voilà, quoi. En revanche, le clic droit est dégueulasse. Mais je l'ai pas mis, non. C'est long. Ouais, c'est drôle, c'est long. Hein. Voilà. La visation est longue. Mais tant mieux. Ouais. Oui, c'est bien, moi j'adore. Hein. Tout ce qui va ralentir le jeu, franchement, c'est bon. Quoi. La TDM méta et tout. Team Death Match. Le fait que les gens courent comme des débiles, il n'y a plus du tout de. Voilà, c'est ça. C'est, on y va tout droit. Ouais. On n'a pas envie de prendre de responsabilité. On n'a pas envie de jouer les objectifs, etc. En vrai, il faudrait avoir une logique de snowball, comme sur League of Legends. Sur League of Legends, même le meilleur des joueurs, indépendamment de ses mécaniques, il va pas pouvoir faire un grand tout droit. Pourquoi? Bah parce que les tours vont le tuer. Il est obligé, du coup, dans cette logique, de se nourrir, de gagner des points, de racheter des trucs qui lui permettent d'être meilleur, de revenir meilleur, de prendre un ascendant et d'être meilleur et d'être meilleur. Sur R6, il faudrait la même chose, mais sur 3 minutes. Il n'y a pas la logique d'achat, par exemple, qu'il pourrait y avoir sur CS. Et tant mieux, d'ailleurs. En fait, il faudrait faire en sorte, je sais pas, par exemple, peut-être que en fonction du temps, sur un round, les trappes s'ouvrent plus rapidement ou moins rapidement, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. En vrai, c'est assez dur. C'est assez dur. C'est un vrai débat, c'est un vrai sujet. T'es où là? J'ai l'impression qu'il y a moins de recul sur les armes. Moins de recul sur les armes? Ouais. Ouais, bah la R4C là, je le sens bien. C'est bon, je suis sorti du tapis. Wamai MP5K. Wamai MP5K. Avec quoi dessus? J'ai mis la poignée horizontale. Avec un ACOG. En revanche, les poignées, c'est un peu de la merde quand même. En revanche, le laser, maintenant, va falloir le mettre partout, non? Vous vous rendez compte qu'en 2016, j'ai dit, s'ils font ça sur Mute, Mute devient mon main. Et j'arrêtais pas de leur les faire chier pendant des mois et des mois. Je leur ai dit, please, please, il y a le MP5, Roux qui me saoule, Doc qui me saoule. Mettez, s'il vous plaît, la coque sur Mute. Ils m'ont dit, non, jamais. Le boycott des shields est total sur ce stream. Mec. Attends, le pétage de la porte, c'est pas le même. Vas-y, Volt, à travers la porte. Oh, c'est ouf, c'est plus la même... Ouais, j'ai défoncé le truc avec le bras, là. Ah ouais, mais ça fait un vrai move en avant, en revanche. Hein. Ouais. C'est très fluide, en Ouais, c'est très fluide, ouais, j'aime bien, ouais. Attends, et du coup, est-ce que tu me tues? Normalement, oui, hein. Comme la... Non, je crois pas. Bah, comme la fenêtre, non? Vas-y, t'es prêt? Oui. What? C'est vers toi. Ah, c'est chelou, ça. Parce que moi, si je vais en rappel à la fenêtre, je te tue, en revanche. Vas-y. Oh, c'était fluide, ça, non? C'est plus comme avant. C'était très fluide. Oh, what? Mais... Ils ont enlevé ça, quand même.
Attends, ça veut dire que si je suis de dos, tu es un peu Golemon, et que tu en rappelles sur moi, il se passe rien? Passer au travers, c'est chelou. Ça devrait au moins faire le truc des shields, c'est-à-dire de te bump. T'as vu maintenant les shields ce que ça va donner? Non, mais on va tester après. Les shields, en fait, maintenant, ils t'envoient comme un nomade, comme un air jab. Faut absolument tester le Amaru maintenant. Oh, la Amaru. Oh putain, la vache, faut tester la Amaru, mec. Pourquoi? Bah, parce que Amaru, elle te tue. Attends, bouge pas. Ah merde. C'est marrant parce que en fait avec le truc là, je pouvais dessiner une quéquette. Je crois que c'est rigolo ça. Si. Mais essaye de mettre la poignée horizontale maintenant, la nouvelle poignée qu'ils ont créée. Oui, mais il faudrait comparer. En fait, il faudrait aller dans le stand de tir quoi. Il y a tellement de trucs. Ouais. Allez, moi je vais tester le magnify. On m'a demandé de tester ça. Oh là là. Ah ouais, le temps qu'il faut pour viser, j'imagine même pas sans. New hybride. Mec, ils ont chié sur le 1.5, ouais. Mais en mode de ouf. Le truc, il est lent. Oh là là, t'as le temps de regarder la liste de Schindler, mon gars. Après, le truc, il est énorme maintenant, le 1.5. Si moi, tu prends une pixel line, mon gars, c'est fini. Déjà que je le trouvais moche avant. Oh non, avant, il était incroyable. Non, c'est le meilleur machin du jeu. Oh, regarde, ça fait une... Oh la vache, le contrôle de l'arme. Là, je suis pas dessus du coup. Il faut être au milieu de ce point de merde quoi. Tiens, va une fenêtre là et tu vois l'autre fenêtre qui est là-bas. Je me mets en face de l'autre fenêtre. Exact. Vas-y quand tu veux. C'est parti. Kawabong. Yes. Mais du coup, on a pas pu tester, mec. Ouais, mais c'était drôle. C'est dommage, mon POV était plus intéressant du coup. Ouais, ils sont nuls, avec, ils ont toujours foiré leur kill cam. Oh, le Kawabunga, ouais. Ouais, je suis désolé, j'ai pas dormi, je suis débile, mon gars. Quelqu'un m'a tiré dessus. Pourquoi tu flashes pour... Parce que t'es pas une lumière. Non, vas-y, fais ton test. Arrête de me flash, là. Non. Tu as un retour bureau. Mais je crois que le jeu a crash 6. Ah bah oui, ça marche bien. T'as fait quoi? Bah j'ai fait le truc. L'animation a fait crasher mon jeu. Crasher ton aussi. Jeu mon gars. Sérieux? Au moment où je te tue, ça fait bugger le truc. Les gars, hey, arrêtez, ouais. Ok, 2024 sera l'année de Rainbow Six, ok. Vous arrêtez d'être médisants, bande de fils de... On avait trouvé un truc quoi. Les gars, il y a un dev chez Ubi, il a fait oh merde. J'ai oublié ça. Merde. J'ai mis if Amaru kill window alt F4. Je me suis trompé en fait. Oh merde, faut que je relance tout le jeu mec. Incroyable. Eh, c'est le plus beau alt F4 de l'histoire du jeu quand même. Et attends, ça te fait te planter toi aussi? Moi ça m'a planté hein. C'est au moment où t'es passé, j'ai écran noir, retour window. Pareil, moi alt F4 le truc. Il était pas à la fenêtre 6-4. T'étais pas à la fenêtre mais t'es un fils de... Je voulais en fait que tu passes et je te mette un gros. Ah ouais, ça aurait été pas drôle du tout, ok, arrête. Si, on aurait rigolé, ça aurait été drôle. Non, essaie, arrête des couilles. Faut qu'il me réinvite. Oui, je t'invite. D'ailleurs, le nouveau truc anti-cheat, tu penses que ça va être change un game changer pour Rainbow Six? Ok, non, il faut rester sur l'air, poulet, les gens la connaissent pas, vraiment. Il ne faut jamais avoir aucune espérance par rapport à des annonces qui concernent un anti-cheat, et ce, quel que soit le jeu. Arrêtez, s'il vous plaît. Est-ce que c'est parce que je suis défaitiste? C'est possible. Un anti-cheat n'empêchera jamais le cheat. Il empêchera une partie du cheat, il fera chier les cheaters sur certains trucs, mais il n'empêchera jamais tout le cheat, donc il y aura toujours des cheaters. Donc le mieux, c'est de... C'est un système d'écluse. Oui, voilà, ouais. Oui, c'est un système d'écluse, ouais. Oui, il n'y aura jamais un truc qui sera vide, ouais. Donc non, s'il y a bien une annonce dont j'ai strictement rien à foutre, même si je l'écoute, c'est bien le cheat, au final. Moi, dans l'état actuel des choses, ça ne m'empêche pas de kiffer ma vie sur Rainbow Six. En revanche, la question n'est pas de savoir qu'est-ce que Rainbow Six peut nous apporter. La bonne question quand on fait partie d'une communauté, c'est de se dire qu'est-ce que j'apporte à Rainbow Six. C'est ça le truc. Ce que tu viens de dire. Vous pourrez jamais changer le fait que vous jouez au jeu sans tricher. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire. Report à la limite les gens, pourquoi pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si vous aidez tous les créateurs de contenu, je ne parle pas de moi, même si je prêche pour ma propre paroisse, il est clair. Mais si vous aidez tous les créateurs de contenu et ou toutes les personnes comme la Gamer Assembly par exemple, ou comme la Louvar, qui va très certainement, je l'espère, faire quelque chose cette année, toutes ces personnes-là organisent des events sur lesquels il y a... pas de cheat, puisque ce sont des custom. Oui, c'est du LAN. Ça, c'est le vrai anti-cheat. Donc tout ce qui va dans ce sens-là, bah, aidez-le. J'ai blitz. Donc maintenant, on peut free look. Donc est-ce que déjà, je tourne ma tête quand je fais ça? Oui.
Donc là, je te dis oui. Là, tu me regardes, oui, là, tu fais oui. C'est vrai? Oui. C'est incroyable, ça. Vraiment, c'est très dur à manœuvrer, du coup. Oui. C'est non. Non, non, non. Impacts de balles, parce que moi, je les vois pas, tes impacts de balles. Oh, ça enlève quand même 5 ans d'HP, hein. Ouais, mais ça te fait tomber. Ouais, mais ça me fait viser tes pieds après. Ouais. Et là? Bah, je vois plus rien. Ouais. Là, du coup, il se passe quoi? Est-ce que mon coude a bougé? Entre ça et ça? Oui. Est-ce que mon coude est... Tu peux tirer dans mon coude ou pas, là? À un moment donné, si tu refais l'animation. Ok, parce que là, je peux balancer le truc sans me donner. Là, t'as vu quoi de partir? La main. Là, j'aurais pu t'allumer si j'avais eu un... Mais c'est très rapide, hein. C'est vraiment très très fast. Et reload, pareil, maintenant, tu peux tirer. Reload derrière le shield. C'est stylé. Ça, c'est ultra stylé. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Ah oui, donc du coup, maintenant, tu peux rentrer directement comme Oza, quoi. Ça, c'est totalement pété, quand même. Ouais, par contre, t'as vu, tu tues pas la personne. Tu m'as vu devant la fenêtre? Non. Ça veut dire qu'en fait, la nouvelle méta, si tu te mets devant la fenêtre, tu laisses le mec passer, tu te filmes de dos. Ouais. regarde. Tu te mets en plein milieu de la fenêtre, quoi. Voilà, tu te mets comme ça, t'attends qu'il passe. Mec, à zéro moment, je t'ai vu. Hein. Vraiment, leur système n'est pas bon. Oui, je suis d'accord avec toi. Il est pas bon. Non. Et donc, du coup. Vas-y, refais non. Non. C'est génial. En vrai, c'est génial. Six Invitational. Dans un an, il y aura forcément un move où il reste un Monty. Il est en vie, le mec est en face de lui et l'autre lui met des grands. Non. C'est sûr, ça va être tellement drôle ça. Mais c'est cool de pouvoir voir comme ça là, le free look c'est incroyable quand même. Si. Non. Et là vas-y si tu me push. Bah... Comment ça je te push? Bah... Oh putain c'est violent. Après je peux pas le faire en rétracté mais... Mais là tu vois je peux me mettre là et je peux bien regarder sur les côtés pour voir si je suis bien mis tu vois. Et là tu peux plus tirer 10 seconds left. Tu peux plus tirer Fire, on est d'accord. Non, c'est fini. Non, y a pas la lunette. Hein. Il devrait mettre une jauge de fatigue sur montagne quand on tape dans son shield. Vous avez testé la différence de balles à utiliser pour détruire... Oh, putain, faut qu'on teste une Azami, mec. Combien de balles il te faut? Ok, c'est parti. 21 balles dans mon chargeur. 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. Sur mon Twitter, au 15 janvier, j'ai quand même dit ce serait bien d'avoir un truc avec 25 balles. J'ai 31 balles. Ne tire pas dessus. J'ai 31 balles. C'est quoi ça? Ok, 31 balles de tirer. Mais est-ce que ça a des dégâts? Oui, c'est par rapport aux dégâts, je pense. C'est 999 HP. Non, mais faut arrêter ça avec le shotgun de Buck, surtout. Glaze, mais plus personne ne joue ça. Arrête, Mary. Non, mais tu vas le prendre. Non, toi, tu vas la prendre, tu vas voir. Buck. Azami. Non, Azami. Mais non, je suis en attaque. Toi, Azami, tu l'as pris, j'espère. T'as pris Azami, là? Oui, je l'ai. Ok, mais c'est toi qui me dis de la merde. Mais non. Donc, est-ce que là, ça shotgunise ou pas? Ah oui, d'accord, ok. Mais c'est parfait, ça. Ouais. Ah ouais, au moins, c'est réaliste, quoi. Enfin, réaliste dans le sens où il y a des HP. Donc, du coup, si j'arrive comme un vieux Buck... Voilà. Si tu le doubles comme ça. Oh, ça c'est intelligent ça. Ben ouais. Eh, l'effet qu'ils ont mis dessus, il est toujours aussi débile. Hein. Oui, on dirait vraiment un JPEG. C'est ça, c'est un PNG. Mais ah. Les gars, on a mis un PNG. On a mis un PNG. Deux chargeurs, 10 coups, donc le double. Là, j'ai mis deux chargeurs. J'ai vraiment fait le double. Le 1.5 est mort. Ah bah tant mieux, je suis bien content. Les gens vont utiliser soit la mire, enfin, je sais... En vrai, soit mire, soit ACOG. Réflexe mire, ACOG, aussi. Holo. Ouais, le 1.5 est mort, c'est fini. Quoi d'autre à tester? Attends, Grim, il a quoi? Reduce speed at which the level move forward. Reduce the time to reload a weapon. Je t'ai dit la poignée. Hein. Tu as deux nouvelles poignées. Enfin, t'as une nouvelle poignée et t'as la poignée en angle. Je savais pas que la poignée angulaire, là, c'était... Et je l'ai testé sur Vigil tout à l'heure et tu le ressens. Ça recharge vraiment beaucoup plus vite. Mais ça sert à quoi? Bah, recharger plus vite. Bah, d'accord, ok, merci. Sur quelle arme t'aurais besoin d'un rechargement plus rapide? Bah, sur toutes les armes, en fait, c'est pour être rapide au moment d'un duel. Mais non, mais la vie, c'est pas The Division. Mais si tu t'engages avec pas de balles, Maestro, ouais, c'est vrai qu'il a un petit chargeur. Ok, donc du coup, on fait quoi? Eh, 1v1 1000 euros. Ok, ça marche. C'est parti.
Ah là maintenant. Ah le fils de pute. Ah mais tu me vois aussi. Mais meurs. Tu m'as pas tiré dessus une seule fois. Ouais, j'ai obligé de jouer au con quoi. Allez tu vas y arriver. T'es nul à chier. Tu vas y arriver. Mais t'es un mouable. Oh t'es trop fort, t'as gagné 1000 balles mec. 1000 euros. Reste là. Oui. Dis-moi là où t'es exactement. Enfin oui. Ça t'a touché ou pas? Aïe. Ouais. Non, mets-toi là. Ça m'a enlevé 70. Mets-toi sur le... là. Mm-hmm. Et non, t'es pas là. C'est le jeu où tu dois deviner où il y a la paire. Regarde, il y a le symbole de Riot en haut à droite. Regarde la patate que je lui mets. Voilà, incroyable. Génial. Donc du coup, on peut tester des vrais trucs ou quoi? Parce que tu vas nous... Ok. Test Fortnite. Non, ta mère. Oui, oui, là, tu... Allez, c'est parti. T'es là ou quoi? Ouais, je suis là, bien sûr. Bah alors, mais fais comme d'habitude, fais le clown là, qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, non, c'est juste que j'étais en train de regarder un truc sur mon téléphone pour. Parce que j'ai pas mangé. Et que là, j'ai regardé oh mon non, compte. Oh non, t'as pas commandé sur Uber! T'as pas commandé sur Uber! Je n'ai pas commandé sur Uber. T'as pas commandé! Je n'ai pas commandé. De regarder quoi sur ton téléphone? Je regardais justement ce que je peux manger. Oui? Tu une vas. Mais sur quoi? Sur internet. Tu vas commander, Mary? Oui, je me l'autorise une fois par mois. Non, là, tu te l'autorises pas, fils de... Cliquez sur ça, là, allez vous follow, allez vous subber, là, donnez votre thune. Il est un peu con, il est pas très beau, mais bon, voilà. Pas très beau, c'est, c'est ce qui me reste. Tu vas voir, il me dépasse. Il a grandi. En même temps, le Guise, il est tout petit. Il a quel âge maintenant que les gars? 17 ans, bonne c'est le pire. Chance, le Guise. Oh là là, 17 ans, là, ça commence à avoir des boutons d'acné plein la gueule et ça tout. Ça commence surtout ça leur à gratte des bas du ventre. Ouais, ça commence soir, à se caresser la nouille. Ah, ça va chercher les culottes de maman dans le placard et let's go. Hein. On connaît. Non? Y'a que moi? Ok, autant pour moi. Eh, ton système là de trucs de test, il est claqué au cul. Hein. Du coup, on n'a pas le temps de choisir un opérateur, on n'a pas le temps de régler, on n'a le temps de rien faire. L'autre, il repart sur son opérateur. Map qui est pas il, du tout il est en train de nous dire qu'il s'est tripoté le zboob dans les slips après, de sa mère. De, et l'autre, il croit de faire qu'on... Quoi, hein que je... Vas-y, je me barre de cette map. Je m'en vais. Tu combien depuis tout à l'heure? Oh la vache. Non mais comment veux-tu que je continue? Tu viens de te dire que tu te... dans les culottes de ta daronne, frérot. Et l'autre après il fait, ouais je pense que Yana elle est nerf et tout. Ah oui bah super. Je sais pas ce que c'est, mec. C'est la troisième fois que je lave tout et tout. Oh. La... Ça n'arrive pas qu'aux autres. Soyez vigilants.